Mais effectivement, je vais accueillir YouTube. Bonsoir YouTube. Bonsoir également à Swifty qui follow la chaîne. Merci de ton follow. Il est 20h00, jeudi soir, TTC, Tech cette fois-ci. Donc 5 maps que personne ne connaît, qu'on joue en round, les derniers sont éliminés. Rien d'incroyable là-dessus, hein. Vous connaissez la TTC normalement si vous êtes là. On va applaudir ou pas là? Vous pouvez effectivement applaudir. Ok, et ça part en GLHF sur le chat. Donc on va camset un petit peu la map au début, on a un CP là donc on peut pas cut. Dans tous les cas les cuts sont interdits mais bon on sait jamais. Alors, hop, 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 hop. Et on est 180. Vous avez toutes les infos en haut à gauche, round, map, nombre de personnes, enfin nombre de joueurs et nombre de personnes éliminées. Donc là les 4 derniers du prochain round seront éliminés. On a 5 petits warm-up, c'est pour permettre à toutes les personnes de load. C'est pas genre... J'ai des fois des commentaires qui disent « Ouais, pourquoi ils mettent 5 warm-up de 10 secondes? Ça sert à rien. Autant mettre un warm-up pour faire la map. » Sauf que c'est juste pour que les gens ne startent pas en retard ou quoi. Ils mettent 5 petits warm-up. En même temps, ça permet aux personnes qui load tous les warm-up comme moi de pas découvrir toute la map. Regardez... Pour garder un peu ce soit fair pour tout le monde. J'ai tout fait là. Ouais, j'ai tout fait en game set. Ok. Ok. Le titre. Mais il y a Alexis donc normalement. La scène. Putain, la scène est cassée. Mais ça, c'est avec leur... avec leur plugin, là. La scène, le titre. Vraiment pro, hein, le streamer. J'ai réparé la scène, normalement. C'est 180 personnes, c'était pas 235 à un moment. Alors, pendant un petit moment, ouais. Non mais Alexis, tu te fous de moi, le titre, là? T'es en train de faire autre chose en même temps, c'est pas possible. Pas d'effort sur le titre là-dessus. Bon bref. Oh, le no drift à la fin. Tout va bien. Je vais cesser les anciens titres. Ouais, faut juste mettre Bast 7 Man. Où tu mets... Tu mets True Talent Cup, Tech, Slash, au lieu de TTC, tu vois. Un petit peu de... Un petit peu d'épices dans le titre. Yo. Merci Starlight pour les 10 bits, c'est très gentil. Oh là 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 là. Merci Erval pour le follow. Je suis bien en plein écran, je devrais pas avoir de problème. Bon, on va essayer de faire des bons runs parce que là on fait pas grand chose. D'habitude, tu es bien habillé, mais ce soir, il est pas terrible ton t-shirt. Moi, j'aime bien mon t-shirt. Mais c'est gentil. C'est un...
Disons que c'est méchant, mais pour les autres jours, ça va, du coup. Après, Hervé, 15 ans... Bon, je sais que... Je prends pas à cœur, je prends pas à cœur ce qu'il dit. Ouais, il y a Karl, il me semble. Ouais, il est là. Il y a Karl et Pac. Il y a aussi Hugo, Ling. Il y a des très bons joueurs. Non, ça me fait mal, Focas, par contre. C'est pas très gentil. Ça s'est bien passé, la TTC, Focas ? Par contre, la fin, le dernier... J'étais premier. Le dernier turn. Ah. En fait, tu peux no drift et du coup, c'est dangereux. Badano. Tu peux no drift et passer full speed, il faut des balls, quoi. Allez, let's go. Bah allez, focus là. Bast Simon, c'est le mapper, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. C'est écrit en haut à droite, normalement. J'aime bien ta voiture. En plus, elle a sorti à ton siège. Ouais. Elle a sorti à mon t-shirt aussi. T'as vu mon beau t-shirt ou pas, Hervé? Ouais, je sais, ouais. Tu nages dans la bonheur. On dit le bonheur. C'est comme le Covid, on dit la Covid patronie. Bon, je trouve que ça ressemble pas trop à ton logo. Ouais, bon. Yo, Anavox. Allez, let's go. Prochaine map. Bon, première map, il y a juste le dernier turn que j'avais un petit peu de peine. Mais là, ça a l'air cool map. Hein. Cool map. Last round, Yannex 99, Sirinx 144. Allez les gars. Oh, mais t'inquiète pas. Hein. Au début, perso, je m'emballais qu'un peu. Hein. Je peux faire centième. Tant qu'on n'est pas dernier, tu vois. Faut pas... Tu nous encourages en disant allez les gars, mais... On s'en fout.
On s'en fout de faire 120. Que tu fasses premier ou 150e, tant que t'es pas dans les 4 derniers sur 162, t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Le karma va arriver. Non, mais c'est fact. C'est. On s'en fout. Pour l'ego. Ouais, bon, peut-être ciré pour l'ego. Non, pour. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, les gars. Non, mais parce qu'il a dit ciré avant. Et moi, je m'en fous un peu. Les puntos. C'est vrai qu'il y a les puntos maintenant. Vas-y, je vais rush. Je sais pas où aller. Oh, fait chier. Ah, c'est mort, hein. Prochain round. Prochain round, les puntos. On est sur une 10e place. Autant économiser ta concentration. Bon, mon focus, il est plus sur le chat Twitch que sur le jeu au début des TTC. Mais après, tu dis ça, Fedelini, mais... quand tu fais premier, ça te met en confiance. Et tu te dis, bon, bah, au moins, je sais que je peux être chaud par rapport aux autres. Quand les rounds compteront vraiment. Oh, j'ai oublié. Mais ouais, faudrait que je me focus plus. Il y a Pac et Carl Junior, de gros noms que j'ai vus. Et aussi Yo-Yo qui reparticipe. Yo-Yo, Carl. Jaja. Poker! Poker sur TM2, allô? Non mais Riolu, il participe tout le temps. Par contre, poker! Ça aurait été cool de ramener Karjan, quoi, mais bon. Y'a Yanex aussi, ouais, mais Yanex. Yanex, tu sais, round d'avant, là, tu sais, la map d'avant. Dernier round, il a fait 99. Mais tu te rends compte? Je sais pas si t'as Mario, il joue. Cette semaine. Il a joué la semaine dernière. Enfin, joué. Il a fait le premier round. Bon, ça ramouille un petit peu sur le serve. Moi j'ai rien à obtenir.
Tamiro, son niveau actuel, top 10, c'est grosse perf. Ah oui, je pense avec... Bah, niveau actuel. Parce qu'il rejoue pas beaucoup. Ça lag vraiment. C'est horrible. Je vais voir à la pause. Faut voir, c'est peut-être il y a beaucoup de joueurs, je sais pas. Peut-être mettre le mode performance une fois. Oui, il reprend, ça se voit. Après, il était bon en 2014, donc... Salut YouTube. Savais-tu que la reine Elisabeth II possède un McDonald's ? Tu peux maintenant briller en société. Elle possède un McDonald's ? Ok. Mi-intéressant. Un McDo privé, bah je pense pas. Salut MB. Pourquoi tu dis Red Time, Lulu? J'avais beaucoup de freeze pour ma part pendant les runs. Ouais, moi ça lag un petit peu. Oups là. Ouais, j'ai un Red Time. Bah, Lulu qui avait call le Red Time, incroyable. Balabalam, bam. J'ai démarré mon run 2 secondes en retard. Ouais. Ouais, bah, je sais pas. Principe de la TTC, les derniers sont out. Genre là, on est 142. Number KOs, 4. Until 120. Donc t'as 4 joueurs. Les 4 derniers de chaque round sont out. Jusqu'à 120 joueurs, où on sera à 3 joueurs par round, etc. etc. Et c'est des maps que personne ne connaît. Brièvement. Moi j'ai mis le mode performance sur Streamlabs OBS. Donc je vois pas mon retour, peut-être ça peut aider un peu. Et ouais, au pire il y a la commande point d'exclamation TTC. Ok, drift au premier turn. On est sur une montée là. Ok. Bon, un petit premier run, tranquillou. Talam. Talam. Combien d'années de jeu tu as pour avoir ton level en tech? 10 ans. À peu près. Mais après, tu peux avoir ce niveau en 2 ans. J'ai ce niveau-là depuis 2012 en tech. 2011, 2012, ça dépend.
C'était pas très bien là. Non, je sais... Honnêtement, les premiers runs, je sais très bien que je peux me prendre un full stoppie et quand même être dedans. Genre, j'ai pas du tout eu de goutte de sueur ou quoi. Si jamais. Genre, j'avais perdu 4 secondes et là, ils sont tout le temps à 8 secondes, 10 secondes. Genre, c'était large. Passer de canyon à stadium, c'est hard. Ah bah Pac l'a fait et il l'a plutôt très bien fait. Si je ne m'abuse. Ah Pac en une année et demie, champion du monde en tech. Donc, Transist Canyon Stadium, bon. En vrai, ça dépend de chacun. C'est vrai que c'est un joueur canyon de base. Bah moi, je l'ai connu, j'ai connu son pseudo. Et on me disait qu'il venait de canyon. Quand je l'ai vu apparaître dans les dédits. En vrai, il s'appelait Paco. Pa-pa-la-la. Après, pas sûr à 2000% qu'il provient de Canyon, mais c'est de ce que globalement je me souviens. Qu'il a step up sur Canyon, il était N-Faculty. N-Faculty sur Canyon? C'était déjà mort N-Faculty. Non? Bon, bref. Combien de rounds par map? Il y a 5 rounds par map. Et une fois qu'on a fait les 5 maps, on retourne. On retourne sur la première map, etc, 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 etc. J'ai stop it. Stop it. Stop au start. Ça arrive, hein. Après, t'es pas forcément out. Toi, t'as stop it et Dell? Ah ouais, has left. Ah, faut jamais Dell, hein. Même si tu stop pick, tu faut pas d'elle. Tu continues et puis quelqu'un va sûrement faire une autre erreur, respawn et puis c'est bon. Il y a quand même 140 joueurs qui peuvent merder. Ouais, c'est ça. Canyon est dead maintenant. Ouais. Bah il a... Il a pas fait ses preuves quoi. Et merci PsychéQuack de renouveler l'abonnement de Alex Rosso. Enfin le sublift. Bah disons que Stadium a plus fait ses preuves que Canyon. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, hein, juste...
Juste pour moi, s'il y a plus de joueurs, c'est que... S'il y a plus de joueurs sur Stadium, c'est... Ça suit une certaine logique. Bon. On arrive là. Ok, donc ça, j'ai regardé. Demi-tour ici. Drift exter, drift inter. Ok. Avec le petit hardfin au milieu. Intéressant. Je vais refaire le début. Peut-être plutôt prendre à droite du poteau. J'ai pris à gauche. Je pense pas que c'était bien. Je vais regarder par rapport aux autres. Réalise un petit peu. Ouais, on voit que la trage inter était beaucoup mieux. Ok. Bah, let's go. Let's go, let's go. Je pense surtout que Stadium est plus intéressant mécaniquement que Canyon ou quoi. C'est pour ça que les gens y jouent, tu vois. Après oui, il y a eu TMNF, mais il y a aussi eu TMUF et les environnements étaient mis en avant. Plus complexe à jouer, Stadium, tu veux dire? Non, pas forcément. Plus intéressant. Plus intéressant mécaniquement. Et ça, j'avais entendu ça sur le stream de Riolu aussi. Riolu lui-même qui disait comme quoi, en compétitif, le plus intéressant, ça reste Stadium. Déjà win d'autres TTC autres que la RPG. Ouais, j'ai win tech aussi. J'ai win une tech. Et deux RPG. Peut-être une autre tech dans la foulée, je suis pas sûr. Salut Brivan. Yo Jérôme. Bonne chance pour ce soir. Désolé, j'arrive un peu tard. Pas de soucis. Aucun problème, merci. Merci pour le bonne chance. Canyon, c'est un peu plus simple. À drift, c'est beaucoup plus de la précision. Bah, j'ai pas beaucoup joué à Canyon pour en parler. Donc je m'appuie sur les dires des autres. Ah oui, il y a Turbo qui a très bien fonctionné sur console. Et du coup, si les gens voulaient jouer Canyon, bah ils jouaient quoi. Faut se dire. Parce que Stadium a eu TMNF, mais Valet, Lagoon, etc. c'était sur Turbo aussi. En vrai, je sais pas. C'était vraiment un chouette format cette TTC, c'était ma première, je compte bien recommencer. Let's go, Monkey. Content que ça plaise même aux joueurs débutants, intermédiaires, etc. Salut, comment se passe la cup? Point d'exclamation TTC. Ce sera plus simple. Bon allez, je vais essayer de faire un run clean, j'en ai pas encore. Bah j'ai dit essayer, c'est pas pour rien. Instant de karma. Bah, karma, j'ai juste dit je vais essayer. Genre,
Mérite, c'est pas vraiment karma, c'est une mauvaise utilisation du karma encore une fois. Ça existe toujours les PEC, j'en avais fait quelques-unes il y a 2-3 ans, c'était sympa. Non, ça fait un bon moment que ça a arrêté malheureusement. Mais ouais, c'était trop bien les PEC. Les Professional Enduro Cup. C'était ceux qui font la shitfest qui s'occupaient de ça. Mais je crois que le plugin chiait et du coup ça marchait plus. Je sais plus exactement pourquoi ils ont arrêté. Ou juste démotivé de faire ça tous les mercredis, je sais pas. Ouais, même en casu, non mais j'imagine. Bah en casu t'avais le temps de faire un lap je pense et après tu te faisais éliminer suivant comment. Ouais, bon, oups là. Putain, mais j'en fais du bruit aujourd'hui. Pardon. Je vous réveille. Putain, Jaja. Jaja 105ème. Puis aussi, on espère tous qu'elle reviendra un jour. Bah ouais, on espère, mais ils ont pas l'air... Angelo out. Ça arrive, hein. J'aurais pu être out aussi avec mon run, hein. J'ai dû faire 2-3 fails. PEC, c'était quoi? En gros, c'était une endurance. C'était une endurance sur une map que personne ne connaissait. Je crois qu'on avait 10 minutes de warm-up, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on faisait 10 rounds. Et en fait, un round, c'était une multilap. C'est assez compliqué à expliquer. Un round, c'était une multilap et à chaque CP, à chaque fois le premier passait un CP, t'avais un timer qui démarrait et toutes les personnes qui ne passaient pas le CP en question, genre le premier il passe le CP, t'as 10 secondes pour passer le CP. Et toutes les personnes qui sont pas passées sont éliminées. Enfin, c'est comme si elles se font d'elles du round, quoi. Et petit à petit, le timer réduisait. Donc t'avais 10 secondes, premier CP, deuxième CP 9.5, etc, etc, etc. Jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'une personne qui roule dans le round. Donc c'était un battle royale, mais sur 10 rounds. C'était un bon concept, mais malheureusement le plugin peut être un petit peu complexe pour Trackmania et ça a pas tenu. Je sais pas exactement les raisons. Ok, on a un petit hard fin ici. Ouais, sympa la map. Sympa, un petit peu dur à s'en souvenir, mais... Let's go. Ah bah ouais. Et le hard fin. Ouais, ultra simple. Hard fin, bon. Ouais, il y a sûrement des chaînes. Ouais, bah, sûrement sur Spam, sur la chaîne de Spam, tu peux trouver des redifs de la POC. Pour voir un petit peu comment c'était. Et à la fin, Riolu gagnait. Et j'en ai gagné aussi des PEC. Hein. Et oh. Et même Riolu, je crois pas que... Bon, il a dû en gagner une ou deux, mais... Ouais, Revo plutôt. Plutôt Révolution. Très très bon en endurance Revo.
Ouais, on en a déjà beaucoup parlé de l'abonnement TM3. Mais oui, Ubisoft s'est fait tacler comme quoi ils disent que c'est pas une subscription. Enfin, il y a tout un drama là-dessus, mais c'est juste les gens sont pas documentés, quoi. En fait, la seule diff, c'est que une fois que tu t'abonnes pour une année. Merci Despoz. Merci beaucoup pour ton raid. J'espère que cette fin de live s'est bien passée. Que ça a donné quoi la trial? T'as pu terminer ou t'as ta réunion qui t'a rattrapé? 3h45 la map. Bon bah ça va. Au début c'est normal. Et merci spécialisé de faire un sub à Nespose. Bon allez, un clean run. Pas ouf ce turn. Allez, on va dire cinquième. En deuxième. Presque cinquième. Encore un round sur cette map. Jaja et Galcar, ils ont fait le même temps. Ah, c'est bien connu, hein. Surtout en match. Ah, je t'embête, Jaja, si tu m'entends. Oula. Toutes les maps sont passées. Ouais, on est sur la cinquième map. À chaque fois, il y a le petit numéro en haut. Donc, on voit numéro 5. On est aussi à 25 rounds. 5 fois 5. Ouais. On a fait toutes les maps. Et il y a 5 maps en général, mais il peut arriver qu'il n'y ait que 4 maps, suivant la longueur des maps. Si des maps font 50 secondes, entre 45 et 50 secondes, il y aura plutôt 4 maps. La first map est dégueulasse, je trouve. Mais j'ai pas fait de clean. Je crois que j'ai tout le temps tapé sur la première. J'étais pas très focus. Je sais plus la fin de la map. C'est quoi? Donc ça j'ai fait, ok. Ouais, le dernier turn, c'est le dernier turn. Dernier virage qui te gêne, ouais c'est ça. Strafito, tu peux aller sur le site de la TTC et t'auras toutes les infos pour créer un map pack si t'es motivé. Après là ils ont fermé... Je sais pas si tu veux les panneaux pour créer un map pack TTC ou simplement à utilisation personnelle, mais tu peux aller télécharger
sur trackmaniamasters.com. Trackmania-masters, sauf erreur. Au pire, tu tapes sur Google Trackmania Masters, tu trouveras directement. Normalement, il y a une rubrique pour télécharger les panneaux. Après 89, on est là. Hein. Juste le dernier turn. Ah, la limite en cam 3 pour bien le voir. Top 100 TTC enfin. J'étais tellement content que j'ai full crash le round d'après. Ah bah let's go. Let's go. Prochaine fois, t'auras... Au moins, t'auras un truc à battre la semaine prochaine. Jaja est un très bon joueur. Vroom. Bien sûr. Je vais le retenter en cam 2. Ouais, faut que je drift plus tard en fait. Ok. Il y a combien d'éliminations par round? C'est tout écrit en haut à gauche. Hein. Number KOs, il y en a 3 jusqu'à 60 joueurs pour l'instant. Et on voit les 3 en rouge qui sont éliminés ici. 84, 85 et 86. Bon, pas ouf ma fin quoi. Merci mais c'était pas ces panneaux que je cherchais, je m'en vais fouiller internet. Bah tu m'as dit les panneaux. Est-ce que tu sais où je peux trouver les skins de panneaux? Genre les CP numérotés. Ah, ah mais il faut les faire toi-même. You managed to do something with RPG map. Not that much, I'm guy. I tried to delete some stuff. But I think the main problem is that the replay is more than 4 MO, so I have to delete some stuff. That might be bad. Ouais, là c'est... Là j'étais pas focus là. Map has more than 4. Nah, it has 3.6, something like that. But the replay has more than 4. And that's the problem with the Dominion. But I will try to do something. Bon, en gros, j'ai parlé à un gars dernièrement parce que j'ai des problèmes avec ma map RPG. En gros, j'ai tellement mis de trucs, d'items,
que en fait bah, elle est trop lourde pour le, les Daddy Mania. Regarde ça. Yeah, welcome back, guy. Et du coup, je dois supprimer plein de trucs pour réduire la taille de la map. À la base, j'étais à 5.4 mégaoctets. Après, je l'ai descendu. J'ai réussi à la descendre à 3.9 parce que là, on m'a dit que pour upload une map sur un serveur, c'était 4 la limite. Donc, je l'ai descendu à 3.9 qui est déjà énorme. Genre, j'ai mis le minimum. Et là, j'apprends que je vais tester, mettre ma map sur un serveur. Et Daddy Mania dit que ça marche pas. Genre, ça peut pas save les Daddy Mania. Et du coup, ce qu'on en a compris, c'est que il faut que le replay fasse moins de 4 MO. Et du coup, je vais voir. Je dois supprimer encore plus de trucs, quoi. J'ai descendu à 3.9. J'ai réussi à la descendre à 3.6 après. Mais là, j'arrive vraiment plus. Il y a toute la déco, etc. Je vais pas supprimer toute la déco, quoi. Enfin, bref. C'était la parenthèse map RPG. Vous savez pourquoi elle ne sort pas. C'est pas la seule raison. Parce que je prévois quelque chose avec, mais... ça repousse un peu les choses. Bon allez, focus, on a bientôt la pause. Cette map ça allait bien. Comment ça se fait que d'autres maps comme Mania Cisco ou Nameless Strike qui sont lourdes n'ont pas de soucis? Parce que moi j'ai utilisé pas mal de custom blocks. Et la map est juste... vu que c'est ma troisième RPG, contrairement à Mania Cisco, etc, etc, j'ai mal mappé, tu vois. J'ai mal utilisé les custom blocks. Trop utilisé les custom... Mania Cisco a zéro custom block. Et quand tu prends des blocks du title pack, bah ça utilise beaucoup moins, ça agrandit beaucoup moins la map. Et ouais, j'ai juste pas optimisé ma map RPG. Et du coup, je dois corriger toutes mes erreurs après coup et ça prend du temps. Et je savais pas qu'il y avait cette limite. Pour les Daddy Mania. Sera-t-il possible de copier-coller des maps de TM2 vers TM3? Pas vraiment. Parce que, en fait, on pouvait le faire de TMNF à TM2 parce que les blocs sont pareils. Sauf que là, tu sais bien que sur TM3, il n'y a pas les mêmes blocs. Du coup, si tu custom block les blocs vanilla de TM2 sur TM3, ouais, t'as peut-être moyen, mais ça va faire plus de 1 méga et tu pourras pas la jouer online. Ça va juste faire ça. Et puis, ah, il n'y a même plus les fichiers GBX. Bon, bah, je vais te dire non. Non, non, faut grandir dans la vie et faut arrêter d'utiliser les mêmes blocs. C'est pas pour les fichiers GBX, mais je pense qu'ils vont repartir de zéro. Bon bref, je sais que c'est possible d'importer les blocs TM2 sur TM3. Les textures sont buggées, mais... c'est juste ça sert à rien, genre. On a des nouvelles routes, autant utiliser les nouvelles routes. Après, tu peux recréer une map TM2 et la simuler, enfin simuler une conversion, tu vois ce que je veux dire? Je veux garder le vrai vanilla. Oui, alors tu pourras, Arso. Mais il faudra bien réparer tes blocs en mesh modeler. Tu as peur que personne ne joue ta map si tu la sors trop tard avec TM3 qui arrive.
Non, c'est juste qu'elle est terminée. Alors oui, j'ai un peu push pour la terminer avant TM3. Mais aussi parce que je la mappais depuis septembre, octobre 2019. Donc j'avais envie de la terminer au bout d'un moment. Mais non, je pense que les gens vont la jouer. Dans tous les cas, si je la sors après TM3, les gens vont la jouer quand même. C'est juste que moi-même, je vais plus jouer à TM2 quand TM3 va sortir. Du moins, beaucoup moins. Peut-être pour le RPG, effectivement, je vais retourner sur TM2, mais pour la plupart des choses, je vais essayer de rester sur TM3 et de push TM3 vers le haut. Si vous voulez garder vos blocs TM2, bah restez sur TM2. Ouais, c'est une très bonne réponse, Joel. Effectivement. Ouais, dans un round, il y a la pause Icon. C'est écrit Break Added. Et on est à 4 sur 5. C'est le dernier round avant la pause. Un peu trop inter, bon après j'ai perdu. J'ai pas perdu tant que ça. Wally Wallou. J'ai dit avant j'ai pas été élu, ouais. Pire tu vas sur TM2 pour jouer map TM2, ouais. Bon, du coup, pause de 5 minutes. Et on est 59 à participer. Enfin, on est plus que 59 après la pause. Je dois juste faire quelques trucs. La musique va s'arrêter. Mais c'est la vie. Hein. C'est la vie. Mais pour TM3, le multi sera payant en gratuit. Il sera gratuit en solo. Il sera gratuit en solo. Par contre, si tu veux aller sur des serveurs payants, tu devras payer, forcément. Parce que tu vas sur un serveur Nadeo, donc... Le multi-solo gratuit, ça a du sens. Parce que tu joues contre des replays multi. Donc en solo, tu pourras jouer contre des replays du monde entier gratuitement. Et aussi, tu auras des features genre les salons arcade où tu pourras jouer peut-être des maps. Tu auras des serveurs gratuits qui seront ouverts et gérés par Nadeo. Et ils feront des roulements de maps, je pense, pour découvrir autre chose que des maps Nadeo. On pourra avoir nos propres serveurs, ouais. Mais ça, pour ça, faut payer. Lui, il demandait... il veut tout gratuit, lui. Il veut tout gratuit, il veut même qu'on lui donne les serveurs. Il veut qu'on tac. Mais non, malheureusement, il faut payer quand on joue à un jeu. Donnez-moi le jeu. Ah, il veut le jeu avec toutes les fonctions. Le système de la map jour ou map semaine qu'il prévoit, non ? Il prévoit un système de track of the day. Mais je sais pas si ce sera sur des serveurs qui seront accessibles à des personnes qui ont la version gratuite. Donc les serveurs privés seront payants une seule fois quand tu es juste visiteur. Non mais parce que t'as dit sniff, Rémi. Donc non, enfin t'as quand même... C'est triste que ce soit payant, mais c'est normal. Moi, je dis go revenir sur TMU. Ouais, aller sur TMNF, pas de soucis. Aller sur TMU, aller sur TMNSWC aussi, vous pouvez. Il est gratuit, lui. Totalement gratuit. L'accès au serveur est gratuit sur TMNESWC. Ça me paraît très logique à mon sens, dommage de passer à côté même pour une version gratuite. Je suis d'accord avec toi, hein. Ça me semblerait logique de faire des serveurs avec les track of the day qui seraient
peut-être gratuite, je sais pas. C'est à voir. Non, c'est pas logique à ton sens que ce soit gratuit. Ça reprend quand? Il y a le timer en haut à gauche. 1 minute 48 actuellement. C'est quoi la diff entre la version à 10€ et la plus chère? La version à 10€, tu peux aller sur les serveurs, tu peux participer aux compétitions habituelles, sauf l'OGL. Tu peux pas faire l'OGL si t'as pas la version Club Access. Mais sinon, t'as un peu tout, quoi. Et, enfin, t'as un peu tout, t'as l'éditeur, replay, media tracker, tu peux aller follow des clubs, machin, truc bidule. Mais par contre, si tu veux créer des clubs et créer des serveurs, à ce moment-là, faut prendre la version plus chère, qui est à 20€ sur 3 ans. Enfin, 20€ par an sur 3 ans. Coûtait combien TM2 à la release? Je sais pas, je crois 20 balles. Genre, pour participer aux compétitions officielles de Ubisoft, faut payer plus cher. Ouais, c'est ça. Mais Silent, t'as aussi la Nations League, qui est une compétition officielle que le jeu fait, qui est accessible à la version gratuite. En gros, il faut acheter quelle version ? En gros, tu peux faire la version gratuite pour tester le jeu. Ensuite, si tu veux jouer online, ce que je pense que la plupart des joueurs Trackmania actuels veulent, c'est la version 10€. Et si par contre, tu as envie de créer des compétitions, créer du contenu sur le jeu, etc., etc., ça, faudra payer la version. Donc ça dépend de ce que tu veux, Hooligan. Je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre. Si t'es pas pro sur le jeu, tu peux pas faire l'OGL ou je me trompe? Tu te trompes, l'OGL c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui ont la version Club Access. Par contre, tu confonds avec la TMGL. La TMGL c'est la version au-dessus de l'OGL, en gros. Où là t'as 16 slots pro, mais l'OGL c'est ouvert à tout. Open Grand League. Mais là, elle est plus très open parce qu'il faut payer le jeu. Bon, après, TM2, tu devais aussi payer le jeu pour faire l'OGL. Si jamais. Après, je trouve dommage. Moi, je suis le premier à le dire. Je trouve dommage que l'OGL ne soit pas accessible sur la version. Ouais, tu vois, ce genre de réflexion. Il faut pas les faire. Tu dis c'est dommage que ce soit payant, mais c'est le choix de Nadeo. Et puis voilà, si tu veux faire la compétition du jeu que Ubisoft organise, c'est aussi pour peut-être une question de cash prize. C'est comme si t'avais un tournoi où tu, quand tu t'inscris, tu payes un petit truc pour enflouer le cash prize. Bah, c'est peut-être pareil avec l'OGL, j'en sais rien. Enfin bref, c'est eux qui gèrent. Mais oui, c'est dommage parce qu'il y aura moins de casus en OGL à mon avis. Moi, Hooligan, oui, je vais prendre forcément le plus cher. Déjà, parce que les joueurs TMGL sont obligés de prendre le plus cher. Parce qu'ils peuvent pas jouer autrement la TMGL, de ce que j'ai compris. L'abo à 10€, c'est par an. Oui, alors je l'ai peut-être pas rappelé, mais c'est par année. On parle par année. 10€ par année. Effectivement. Et ouais, je vais faire la Sportix aussi sur TM3, donc forcément... Si je veux faire des serveurs, etc., il faudra que je passe par le club access. Et je vais aussi essayer de créer le club Yannex, des trucs du genre. Avec un serveur où tout le monde peut participer, pas tout le monde peut jouer. Je vais faire mon truc de mon côté.
Gratuit, il y a le multi. Tu peux pas aller sur des serveurs qui ont... À mon avis, tu peux aller que sur des serveurs officiels avec la version gratuite. La version gratuite, c'est vraiment une démo. Tu peux... C'est une démo, une très grande démo avec beaucoup de contenu. Mais il faut quand même dans la vie acheter le jeu. Je sais pas, j'ai l'impression quand les gens ils demandent quand ils demandent le multi, il faut prendre sur la version gratuite, il y a le multi. J'ai l'impression qu'ils s'attendent à ce que oui, mais je sais pas, c'est bizarre. Ah, je suis pas focus. S'il donne le saut gratuit, c'est pour éviter le crack du jeu. Non. Le solo était pas gratuit sur TM2. Pour te connecter au serveur. Tu te connectes au serveur quand même. Ouais, bon, bref. Non, ils ont expliqué qu'ils voulaient une version gratuite pour retourner un petit peu comme à TMNF et TMSWSO. Il y avait une version gratuite pour pouvoir enfin jouer avec tes potes, etc. Mais tu pourras aller avec tes potes sur des serveurs Nadeo gratuitement. Ça existe et aime craquer. J'en sais rien. Voilà, une partie du multi accessible Tech Tequila, c'est à peu près ça. Mais pas encore, on n'a pas eu toutes les infos pour les Track of the Day, etc. Ils ont parlé de salon arcade. J'ai pas trop compris honnêtement. Apparemment, il y aura un accès réduit au salon arcade sur la version gratuite et tu auras full access à la version 10€. En fait, vu qu'on n'a pas les insights du jeu, on comprend pas les termes. La version gratuite de TMNF, t'avais accès à tout. Bah oui, sauf que sur le long terme, c'est pas rentable pour eux. Il leur faut de l'argent, Nadeo, les pauvres. Yo, la man. Ah non, mais les pauvres, parce que tout le monde leur dit ouais, SWC c'était gratuit, TMNF c'était gratuit, pourquoi vous faites pas gratuit? Ils peuvent plus se permettre de sortir un jeu comme ça aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Faut payer les devs à un moment. Exact. Bon allez, on est plus que 49, je vais focus un petit peu plus, je vais moins discuter, vous pouvez continuer à discuter de TM3 dans le chat si vous voulez, mais je vais moins réagir, essayer de vous divertir visuellement, n'est-ce pas? Donc plus de warm-up.
un peu oublié la map, mais ça va. C'était très lent, mais safe. Et deux joueurs éliminés par round. Bah typiquement 47, je peux me permettre de faire 44. Mais c'est pas le but non. Je peux même faire 45 en vrai. Venez, on fait 45. Man. Voilà, encore une fois, très safe, pas besoin d'attaquer. C'est pas la dernière fois qu'on voit cette map. Qui s'est permis là? Justin, Justin qui va se permettre de faire le 45 là-dessus. Oui, mais Silent, en fait, Silent, il faut te dire que quand tu joues à un jeu tout... Enfin, quand tu joues à un jeu tous les jours, c'est comme... Je sais pas, t'as pas l'impression de profiter de Nadeo? Quand tu dis j'ai payé 5$ TM2 et que tu as joué tous les jours, tu te dis pas genre ouais... Je sais pas, moi je me dis ça. C'est comme si tu craquais un jeu, ouais, mais pas vraiment. Tu vois, quand tu craques un jeu, tu dois te dire un peu en mode ah mais putain, c'est comme si tu volais quelque chose. Ouais. Après, tu dis 30 dollars par an, ça fait cher, mais tu peux obligé de prendre la version. Il y a beaucoup de gens, ça c'est un truc qui m'énerve aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent que 30 euros ça fait cher, mais ils ont même pas besoin de la version fucking à 30 euros. Ils peuvent prendre la 10 euros, ils sont contents. Ils peuvent même prendre la version gratuite s'ils veulent. Enfin, il y aura plein de serveurs, il y aura assez de personnes qui vont comprendre qu'il faut soutenir le jeu pour qu'il y ait du contenu, il faut soutenir le jeu. Du coup, il y a des personnes qui vont prendre celui à 30 euros. Il y aura des serveurs qui vont être créés et ceux à 10 euros pourront se connecter au serveur et jouer à Trackmania comme n'importe qui. Hey yo Ernie. Es-tu joueur compétitif ou streamer? Si la réponse est non, t'as pas besoin de la version 30 euros mais celle de 10 euros. Ouais, voilà, typiquement. Si t'es joueur casual. Tu fais tes petits trucs, tu vas sur des serveurs un peu random, tu joues, t'es content. La version 10€ te suffit largement. Enfin bref, j'ai dit que j'arrêtais d'en parler et que je me focusais. Merci beaucoup Siliad. Pour les deux subgifts, j'ai bien vu. Merci énormément. Hop là. Merci à Flerno. Et bienvenue à Dany et Coconut. Bienvenue à vous. Et salut Romo. Le souci, c'est qu'il y ait trois prix différents. Non, je pense que c'est très bien qu'il y ait trois prix différents. En fait, dis-toi qu'il y a le jeu payant,
y a le jeu payant à 10€. Le jeu, il y a une version gratuite. T'as la version gratuite. Démo, plus. T'as la version payante du jeu à 10€. Et pour ceux qui veulent créer du contenu, que ce soit des clubs, que ce soit des serveurs, etc., il faut payer un petit peu plus que la version du jeu basique, parce que t'as des serveurs à... T'as Nadeo qui hoste des serveurs, etc., Enfin, ouais, on en parle... Non, on en parle plus, je me focus, let's go. J'ai oublié la main. On en parle plus. Ça, moi j'en parle plus. Mais comme je l'ai déjà dit, vous pouvez continuer en discuter. Très bien. Louis et Hound Max qui vont être les deux derniers. 38 et 39. Et on est reparti, let's go. Premier juillet, date officielle, Novox. Tu m'aurais pas communiqué par exemple le prix de location d'un serveur actuel sur TM2 pour que les gens comprennent vraiment la différence de prix. Jaja qui est out. On est autour des 2,50€ par mois. Merci Skydowerzoo. Pour le sub tier, c'est... Pour le prime, pardon. C'est très gentil d'utiliser ton prime ici. 2,50€ à peu près par mois. Après, ça dépend. Tu peux aller sur des 3€. Plus tu veux de slots, plus ça va coûter cher. Et là, les serveurs Nadeo, c'est 100 slots. Ce sera 100 slots. Donc vraiment, un serveur 100 slots sur Trackmania 2, ça va cher, hein. Ah, qui l'autre qui dit 3... Qui dit 3,50 les 20 slots chez Micmo. Par mois. Là, c'est pas par année, c'est par mois. Hein. Bon, allez, on n'en parle plus, focus. Sans slot, c'est si on paye 30. Bah, tu pourras pas faire autre chose. Enfin, tu pourras pas créer des serveurs si tu payes 10, non? On devrait pas, normalement. Ou peut-être. Peut-être des serveurs à 20 slots, si t'as payé 10€, ce serait insane, en vrai. Après, oui, il y aura aussi des serveurs. Il y aura toujours les serveurs par la commune. Il y aura toujours, mais autant prendre le 30€. Mais non, je peux pas m'arrêter de discuter avec mon chat, moi. Imagine, tu fais payer pour qu'on fasse vivre ton jeu. Attends, c'est sérieux ou pas? Je sais pas.
Je pense que c'est du trolling. Il n'y avait pas de kappa. Après, je vois l'idée derrière. Ouais. Quel est votre parfum de glace préféré? Moi, c'est... Ça dépend. Des fois pistache, des fois vanille, des fois... Ça dépend, en vrai, ça dépend de l'envie, tout simplement. Ça dépend de l'envie, pistache, vanille, des fois choc, des fois... Des fois caramel aussi, j'aime bien caramel, ouais. Pas de warm-up. C'est quoi la map déjà? Ah, c'est la une. Ah, le dernier turn. Des soucis avec le dernier turn sur celle-là. Un plat suisse à conseiller. Pas spécialement. Merci pour les 300 bits. Ouais, mais fondue, vous mangez de la fondue chez vous. C'est un plat. Ouais, les roichti à la limite. Mais des roichti bien faits. Hein. Genre une bonne galette de roichti. Oh là là. En vrai, je viens de manger, j'ai pas faim, mais... Allez, focus. Le papet vaudois. Pas mal. J'ai une petite transi chelou. Est-ce que la fin peut être full speed? Je sais pas. Oh, Troulet qui est out à 40 millième. Tirez ton sueur depuis 10 rounds. Ah, commence à être chaud pour Siré. Après, une seconde... Une seconde entre le premier et le dernier.
Moi je save vraiment le last turn parce que je peux no drift dessus, me prendre un mur et c'est fini. Ouais, on voit une seconde. Une seconde et demie. 70 millions. Donadigo qui a denied roulait juste avant, donc tu peux mériter. Par contre, Extra. Extra, très très bon joueur tech. En vrai, juste release. Ah, Siré. Siré qui va être out. À 2 secondes. 2.7. Parce que ça, c'est par rapport au dernier. Si on regarde par rapport au premier. 2 secondes 7. Closed. GG. Bah, top 20 quand même. Non, 21. Pour le coup. 1.7 mais close. Mais il a dit closed, genre fermé. Mais... Bon bref. Allez hop hop hop. Prochaine map. Pas de warm-up hein. Je vais refaire un petit peu le début en cam 7 pour me remettre dedans. Allez ça part. Oh, j'ai trop drift. Après, je dois être safe, mais... J'ai beaucoup drift à un endroit. Ouh, Color! Color! Top 19. Putain. Color trop chaud. Oh, un petit peu plus externe, plus de speed ici. En vrai, c'est pas mal. Et là, moins drift. Hop, on peut sortir externe. Drifter en inter ici. Pas trop s'éloigner du mur. Et là, on est pas mal là. C'est ok. Quatrième place. Grand, je suis vraiment pas. Tuto Dianex. Un peu trop externe. C'est ok, c'est pas très rapide. Hein. Sixième à 0.29. Je suis plus safe que rapide pour l'instant. Seulement 140 FPS. Non mais franchement, sur cette map là, c'est beaucoup plus... Je distingue beaucoup plus le lag au début. Genre sur ces turns là. Mais je sais pas si ça se voit en 60 FPS. Mais vraiment, c'est pas agréable à jouer ici.
Je veux pas trop m'en plaindre parce que ça va passer pour... Si je fais une erreur maintenant et que je me plains des FPS, ça va passer pour l'excuse, mais du coup je ferme ma gueule, mais c'est vraiment pas agréable à jouer. Je vais mettre le mode performance. Après ce round, je vais mettre le... On le voit, il y a des drops. Bon, ça se voit. Ah là, c'est mieux d'un coup. No joke. Ouais, quoi que. Mais je crois que c'est quand... Ouais, je crois savoir pourquoi. Je vais mettre le mode... Une performance. Parce que TM me dit 200 framerate. Hein. Un peu chiant. Allez, on est 14. Merci Ragna. Allez, focus. Au moins un top 10. Top 10, je suis content. Mais moi, j'oublie les maps, c'est le problème. Oh, c'est bon. Et le winner de la semaine dernière, Chaot. Mais on est tous un peu lents. Voilà. Là, il faut que j'enchaîne avec l'airtime. Comme ça. Je l'avais jamais fait sur les rounds d'avant. Ok. J'ai fermé Discord.
Allez. Non mais je pense que c'est ça. Je devais avoir des gifs ou des trucs à la con qui jouaient sur Discord. Ah je sais pas. Bah c'était ma map. Psychologique peut-être, ouais. On dit gif, pas gif. On dit les deux. C'est top 10 du coup. Tu fous le risque. Non, en vrai, safe. C'est du safe, mais du safe rapide quand même. Je sais que ça va passer. Mais c'est quand même rapide. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus de mal sur celle-là. Je la roulais vraiment safe celle-là. Je pense pas que ça va suffire. Je sais plus. Je sais pas s'il faut enchaîner avec le drift ici. J'utilise le airtime pour enchaîner. Point 1. Bon après c'est ok. Parce qu'on on peut soit enchaîner avec le airtime, soit pas prendre de airtime mais néo. C'est un des deux. Je pense que c'est suivant la préférence. Ouh, un peu trop de drift là-dessus. Top 7, top 7, je peux sortir maintenant, je suis content. Ça devient tendu, ouais. S'il y a une moins drift ici, c'est déjà mieux. Je suis bien là.
Poule 6. Corps de round. C'est greedy. Ouais. Prends un tard, j'ai pas de speed. Il y a quelqu'un derrière. Je sais pas à combien. Que c'est bon. Ah mais on est 6, ok. C'était très greedy ici. Hein. Encore un round sur cette map. Je sais plus la prochaine laquelle c'est, la 5. Je suis bon sur la 5. Ah ouais, pack. Oh non. Je l'avais déjà fait en round. Bon, à part les regarder. Peut-être un no-drift ici. Ah, j'ai tenté de remonter, mais. Je l'avais fait en round celui-là en plus. C'est dommage. La voiture balai, c'est ça. Toujours dommage de sortir sur une erreur. Je préfère quand c'est un round close, mais top 5 style. J'ai un peu push après mon erreur, mais bon. Ça me va. Très bien, on va du coup regarder le top 4 qui va se jouer entre Link, Riolu, Neuro et Carl Junior. On va peut-être se poser sur Neuro. Et on va regarder ce 1v1v1v1. Pour la quatrième place, pour l'instant, on a Link qui a un petit peu un moins bon start à la bataille avec Riolu. On voit Neuro et Carl vraiment se positionner première et deuxième position. Link avec peut-être une meilleure trage, mais plus de airtime. Le drift qui va suivre. Link qui remonte un petit peu sur Riolu. Ça se joue dans un dixième. Riolu avec un petit peu externe là-dessus. Ouh, la grosse erreur de Neuro. La grosse erreur et... Je me l'étais prise, hein, celle-là. Et en fait, si on frôle trop ici... Eh ben, la trage exemplaire, ce serait celle-là. Sauf que, surprise, surprise, on a... le bout du triangle du CP qui vient nous dire coucou et nous retourner comme a pu nous le montrer Neuro. Et du coup, le podium constitué de Riolu, Link et Carl Junior. Dans quel ordre? On va le savoir assez vite. Link était un petit peu derrière sur ce début de map. Cette fois-ci, ça va bien se passer. Riolu qui doit venir chase. Les deux joueurs devant, il doit avoir les Carzone. Et savoir, hein. Savoir qu'il doit tout risquer. Il va tenter de prendre le plus de speed là-dessus pour remonter sur Link peut-être. Il se rapproche. Car Junior avec un petit peu plus d'airtime qui a raté son turn. Ça va être serré sur la fin. Ça va être très très serré. Est-ce que Riolu va tout tenter? L'erreur de Carl. Et ça, on le voit pas souvent. Et j'ai record ça, vous imaginez? Carl qui touche un mur. Très bien. Carl, du coup, troisième de cette TTC. Et la finale entre Link et Riolu. C'est possible. Allez, pour Exalti peut-être, Link. Link qui prend déjà une toute petite avance.
là-dessus à point 13. Il va devoir release. Il a dû beaucoup release sur ce turn. Il s'est fait surprendre sur la sortie extérieure. Mais Riolu également, qui était très proche du mur. Link qui va tout tenter, prendre le plus de airtime. Enfin, arriver avec plus de... Bon, bref. Les derniers turns. Riolu un petit peu exter. Link qui revient, peut-être avec la meilleure fin. Le dernier jump qui va tout décider. Et c'est Link à 4 millièmes qui va venir prendre cette première position. Et de plus en plus, on a des derniers rounds insane. On a des derniers rounds à chaque fois. La semaine dernière, entre Yo-Yo et Nexo, c'était 7 millièmes. Et cette fois, c'est 4 millièmes. Gros GG à Link qui gagnera cette TTC devant Riolu et Karl pour le podium. Vraiment, ah, c'était close jusqu'à la fin. Mais on a vu la trage un tout petit peu plus intérieure qui est venue trigger plus rapidement le finish, tout simplement. Un caviar pour cette TTC. Bah, je pense Riolu, etc. Il y avait spam. Il y avait peut-être pas spam cette semaine. Je sais pas. Link le plus beau. Cher Riolu, fallait pas se faire call. Il se faisait call. Il se faisait call par qui? Toujours le même problème. Ça, c'est un truc... C'est relou, hein. De plus en plus. À chaque fois, bah, typiquement, moi, quand je suis en 1v1 contre Spam, que ce soit Spam, Pac, Riolu ou d'autres, forcément, j'ai en tête qu'ils se font call et du coup, qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. Et moi, je suis là, c'est à la limite si j'ose mettre les Carzone pour pas me faire déconcentrer. Toujours un petit peu chiant, ça. Faudrait leur dire une fois. Il se fait call, mais il joue avec le HUD. Donc bon. Non, Luxios. Même si t'es pas call et que t'as l'HUD, tu te fais quand même déconcentrer. T'as beaucoup plus vite l'information quand tu l'as en vocal que quand tu dois regarder toi-même et déconcentrer ta vision. Enfin bref. Call, c'est effectivement, c'est par exemple, je sais pas, il y avait qui d'autre qui aurait pu call pas, je sais pas, peut-être Simplinik. Simplinik, il pouvait dire, ouais, là, il pouvait dire à Riolu, genre, ouais, là, vous êtes en 1v1, il faut vraiment prendre close la fin, alors que Link, il est peut-être pas au courant, il joue Karzov, tu vois. Ça change énormément dans Trackmania, hein, les calls. Je pense... Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est insane à quel point ça change la façon de jouer. Et le decision making. En tout cas, Link, qui gagne quand même cette TTC, devrait interdire les calls. C'est toujours dur. Toujours... Mais je pense que personne leur a jamais dit que... Tu vois. Bon, allez. Sur ce, YouTube. YouTube aussi, merci d'avoir regardé cette TTC. J'espère qu'elle t'a plu et que c'était insane ce dernier round. N'hésite pas à mettre un pouce bleu tout simplement, ou un like comme on dit, et à t'abonner à la chaîne si ça te plaît. Sur ce, des gros bisous, au revoir YouTube.